Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour une nouvelle session d'Amalur. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. La dernière fois c'était je crois il y a 15 jours pour moi. Je sais plus où on en était. Je crois qu'on allait se débarrasser de nos amis les trolls. Bon alors, la grosse nouveauté c'est que je joue à la manette maintenant. Ouais, donc c'est là qu'on va. Je remercie mon pote Benoît qui m'expliquait comment brancher ma manette PS3 sur mon PC et qu'elle soit considérée comme une manette Xbox. Donc ça me permet de jouer à la manette. Bon, je devrais moins me gourer dans les boutons. Bon, j'ai joué un petit peu avant histoire de me réhabituer aux touches, hein, mais je ne garantis pas non plus un résultat probant dès le début. On va attendre que le tir passe en 50 FPS. Allez, voilà, c'est bon. Bah on est parti, hein, donc on continue comme d'hab. Là donc on devait tuer nos amis les trolls. Oh mais tiens. J'étais sûre de vous trouver ici. Notre ami. C'est ce maudit arbre qui m'envoie. Ses racines et ses branches s'étendent à travers toute la forêt. Mais j'espérais que vous seriez assez inhabituel pour que je passe inaperçu. Il a dit que nous devrions faire cette route ensemble. Il pense que je pourrais vous aider. Ou peut-être que vous pourrez m'aider. Ouais, plutôt, ouais. Je n'ai jamais rencontré Gnarch. Les trolls et les Dokalfars prennent rarement le thé ensemble. Mais si c'est une matriarche de clan, elle ne sera pas chétive. Et si elle est corrompue au point de rendre le Nairalim nerveux, elle doit être plus dangereuse que la plupart des trolls. Ok. Ne faisons pas attendre Gnarch. Oh non, non, on va lui dérouiller la gueule, y a pas de souci. Hop. C'est quand même plus pratique à la manette, hein. J'irais. Bon, c'est vrai que pour la magie, voilà, il y a un petit menu qui est apparu et tout, c'est bon. Les trolls ne sont pas si bien organisés en général. Mais c'est même pour les moi grands c'est plus clans simple. n'ont jamais de repères aussi profonds. Oh, t'as vu la taille du trou? On va bien s'amuser. D'ailleurs, en parlant de magie. Mais non! Oh, mais non! Je m'emmerde. Ah! Viens, 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 suis-moi. Allez, viens. Allez. Pas ta sucrée, voilà. Ah merde, c'est vrai qu'ils sont invulnérables à la magie. Oh. Bon allez. On castaille. Oula. Ouais, ok. Si déjà je me gourdais le début pour faire la roulade, on est bien barré. Allez. Tiens, un peu de magie. Et on va t'enchaîner mon salaud. Oula, oula, oula. Oula. Allez, de Dieu! C'est la fin. Ah oui, elle aussi, elle m'a l'air super inefficace, comme tous les PNJ d'ailleurs. Oh là là, c'est reparti. Aïe, oh non mais. Voilà, ouais. Là pour le. La magie, c'est quand même vachement plus simple parce que je sais pas si vous vous souvenez pour le oula ouh ça me plaît ça sur avec le clavier il fallait que j'en sélectionne une et après que je l'envoie avec le clic droit de la souris alors que là vous avez vu tout est assigné à des boutons, c'est vachement plus simple. Oh c'est très bien ça, c'est très bon ça. Non mais ouais complètement ouais, putain il me faut le reste de l'équipement. Ah, ça me plaît, là, ça commence très très bien cette session. En espérant que les gens du dessus ne fassent pas des travaux comme hier. Parce que ça va m'énerver si c'est le cas. Je serais obligé d'arrêter, hein, parce que ça serait. Je voulais. Y'a rien à pied? Ok. Ah, si, là par contre, y'a à pied. Ouais, parce que si il fait le truc, je serais obligé d'arrêter, ça sera horrible d'entendre le marteau en permanence. Là. Donc on verra bien, on croise les doigts. Il m'a fait chier toute la matinée. Mais que font les Tuatha ici? Ah pareil, hein, pour changer d'arme, c'est juste appuyer sur un bouton, c'est quand même vachement plus... Pour moi, c'est plus simple que de chercher la touche sur le clavier ou utiliser la molette de la souris. La roulette, comme ils disent dans Rogue Warrior. Aïe. C'est la fin.
Ah, ça fait plaisir quand même de retrouver un peu. Merci. Entre mon perso un petit peu là. Ça fait... C'est le moment. Pareil pour mon petit con, ça me fera plaisir. Enfin pas longtemps, mais ça me fera plaisir un peu. Qu'est-ce que je montais un peu là? Améliorer efficacité. Ok, c'est où à partir de quand qu'on peut démanteler les objets précieux? C'est là. Ah, fu. On va monter l'armurerie quand même. On va monter l'armurerie, oui, je confirme. Voilà. 3 points, donc à mettre en finesse. Ça. Oh, résistance au poison, je m'en fous. Faire plus de dégâts au poison, ça m'intéresse, mais. 50 points en finesse, de toute façon. Et ça, c'est quoi pour voir les noms? Hop. Ça peut être pas mal si ça désoriente. Vu que maintenant je vais peut-être un peu plus me servir de mes skills, on va prendre ça. Hop là. Et puis art de l'assassin, on va mettre un point. Et maîtrise des lames faillées, un point aussi. Et on confirme. On est toujours sur notre palier éclaireur. Voilà. Alors. Ah, c'est cool la compétence d'observation. On fait un petit bonus de thunes. J'aime bien moi. Je sais même plus de quel côté j'arrivais. Oh, fait chier. Oh, on a tué un crabe. Bah sûrement par là, parce qu'il y a des trucs, des plantes à pécho. Ah mais quel glandu quoi, je me suis même plus d'où j'arrive. Ouais non, il y a du strum par là, donc c'est que j'y suis pas encore allé. Juste checker les grolls là que je viens d'avoir. Là. Bah la robe, ouais c'est un truc de mago, je m'en doutais. Ça c'est un truc de... De... Guerrier, j'en fous pas mes mots aujourd'hui, c'est infernal. Allez zou. Zou zou zou. Qu'est-ce qu'il me fait l'autre? Oula, c'est un mago. Un magot de merde là. De Dieu. Ok les gars. Ok, je voulais la jouer comme ça. Non mais on va jouer de lui. Alors moi si je pouvais taper sur les ennemis plutôt que leur tourner autour. Avec ma danse du cabri là. Sans ta gueule. Coucou. Ah ouais, c'est pas mal ça. Elle est pas mal l'amélioration. Je suis content d'avoir mis mon point là-dedans parce que c'est bien cool. Bon, l'autre elle galère sur son seul et unique gars, bien entendu. Putain, il se protège, mon enfoiré. Tu vas pas te protéger longtemps, tête de nous. Voilà. On se rapproche. Putain, madame, t'as un beau fessier, mais t'es vraiment inutile, quoi. Attends, maintenant il y a un mec qui fait les travaux dehors, mais ils veulent ma mort dans ce coin. Bon, ça devrait pas s'entendre trop. Oh. J'avais un peu lu l'âme faillée de la burne hein, quand même, hein, donc yeah, ouais, je doute, ouais, c'est beaucoup moins bien que les crocs de la vipère. Hein. Fallait pas ça. Fallait pas se leurrer. On peut me donner des belles armes toutes les demi-heures non plus. Hein. Si ces trolls décidaient d'attaquer Dalentart, ils pourraient en raser la moitié. Ouais, pour avec moi, je les prends, je les domine, moi, les trolls. Alors. Ok, il bosse avec les trolls, ces enfoirés. Bon, et chérie, derrière, tu. S'il te plaît, tu fais pas ta code. Waouh. Waouh. Oh, ils font mal, les lanciers. Waouh. Et direct, hein, je vais vous détendre, les gars. Ça, le troll il bouge pas. Regarde là la conne. Gagne-moi ça la conne.
Mais sérieux, arrêtez de me foutre des penchis dans les pattes, vous voyez bien que ça fait faire que des conneries. Oh, j'en ai ras le bol quoi. Aïe. Assez perdu de temps. Les petits dégâts, au moins, même s'il est invulnérable aux effets secondaires des magies, ça lui fait toujours du dégât. Donc c'est toujours intéressant de lui claquer de baigner un peu avec ça. Ah, mais... Hop. Oh non, mais je fais ma roulade, l'autre il sait exactement où je vais arriver. Arrêtez de déconner, les gars, là-dessus, c'est un peu débile. Ça. C'est bien tout ce que tu sais dire depuis le début. T'es pas très très intéressante comme demoiselle. Non mais elle me fait, merci, j'en ai toute une collection maintenant. Bon, il y a rien de plus par là. Allez hop. Touchez-vous les petits crabes, vous êtes rigolos, mais j'ai pas envie de vous mettre des pains. Tiens, toi. Eh mais comment je me fais enchaîner? Eh venez, viens voir, on va rigoler par là. Allez, mais marchez dessus au moins, faites-moi plaisir. Voilà, c'est bien ça. C'est comme ça qu'il fallait faire. J'étais en train de me chercher quand même. Je crois que c'était moi qui avais foncé sur le gars, mais en fait non. Je me perds dans ce bordel de combat. Encore mort quoi. Alors, par contre le poison que je leur inflige, il a pas l'air GG quoi. C'est pour ça qu'au lieu d'avoir un truc qui résiste au poison, j'en préfère des... Enfin c'est moi qui suis con, il faudrait peut-être que j'augmente la capacité de l'empoisonnement. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui fait tout péter encore? Oh non! Ah si! Ouais, j'ai compris, t'es un con. Hop là! Attends, mais le temps que je pose mon truc aussi. Ouais. C'est la fin. Mais tais-toi, les PNJ aussi, on s'en fout de vos phrases, vous en avez que deux, vous les répétez en boucle, c'est chiant. Ah bah je suis acculé contre les têtes bidoches là aussi, c'est chiant. Capuche stimulante, je veux pas savoir ce qu'elle fait la capuche. Hein. Eric, allez, zou. Zou, zou. Yep, j'aime bien ramasser les trucs. Mais... Ça pourra toujours servir, enfin, je fasse du stock de potions, j'ai vu qu'il m'en reste plus que 9. Les Toata semblent être ici depuis un moment. S'ils ont réussi à venir si loin dans les terres, nous courons un grand danger. Ouais. Être éphémère, être éphémère. Moi, vous savez pas qui je suis, hein, bande de trous de balle. Attends, l'autre il est en train d'agoniser, je vais lui éclater la gueule par derrière. L'autre, salut, tu me vois plus. Enfin, je vais faire un crit, quoi. Oh, je suis pourri en plus. J'aurais peut-être dû le laisser. Ouais, mais non, son autre code, elle l'aura attaqué. Alors je suis un peu plus résistant aussi que dans les précédentes sessions parce qu'en fait quand j'ai testé avec la manette j'en ai profité pour aller j'avais récupéré du beau stuff dans la précédente session là au niveau de l'armure et on pouvait les gemmer, je les ai gemmés en fait avec deux gemmes armure plus 15 donc ça me permet d'être un petit peu plus efficace.
D'ailleurs, les gemmes, je sais pas si ça va se développer après, mais pour le moment, je trouve que c'est assez moyen, pour pas dire complètement inutile. Enfin, c'est un peu toujours les mêmes, sur des trucs de résistance aux éléments ou de l'armure, quoi. Putain! Voilà. Voilà. Pierre physique, par exemple. On sait très bien que si on met deux pierres physiques ensemble, ça fera ça fera un truc réduction des dégâts physiques subis. Donc évidemment après on peut utiliser plus de matériaux, donc on verra, mais bon. Alors. Peut-être sprinter un petit peu quand même. On va y passer 10 ans sur cette connerie. Moi je fonce comme un veau. En plus, hein. Il y a des coffres, alors on piave. Hop. Tac. Ouf. What? Ah ouais, mais attends, sachant que c'est pas pour moi ça. Attends. Ah bah si, mercenaire, si. Ouh. Attends, c'est moins bien que ce que je porte quand même. Mais si j'ai tout. Ah, mais si j'ai tout, c'est quand même vachement mieux. Bon, évidemment, je vais perdre 15 en armure avec ces conneries. Mais autant que je mette le 7, hein. C'est quand même vachement plus classe. Tant pis pour la gemme. Merde. Très facile. Merde, tu. Tellement facile que j'arrive à me gourer. Ok, pas du tout par là. Voilà. Ah mais dis donc, je suis gâté là, hein, un truc violet. Attends, bon, c'est un capuchon, donc ça doit être pour. C'est pour Mago ça, mais bah, ça fera des petits sous à la revente tout ça. Du prismeré. Mais qu'est-ce que les Touatal lui ont fait? Assez peu de temps. Ok, voilà, c'est ça, Gnarch. Ça, la matriarche, on va bien nous les briser, la matriarche. Aïe. Ah, waouh, wow, la claque que j'ai pris. Waouh. C'est là. Je vais arrêter de faire de la magie, ça sert à absolument rien. Je vais me faire péter la gueule avec la magie. C'est la fin. On va prendre un truc de santé. Ça c'est pas mal. Oh là 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 là, oh là là, le carnage. Oh ça. Oh putain, ce que je viens de manger, quoi. Ah, je voulais utiliser ça en fait. Allez. Le truc du destin, c'est vraiment un truc overpuissant, quoi. Ah, il y a une belle style retour. Je m'attendais à mieux. T'as rien foutu. Mon Dieu, t'as rien branlé, quoi. Oh, je te jure. Y a pas du péon là. On va augmenter donc ça une dernière fois. Tac. Là. Ah ouais, donc je voulais augmenter mes trucs de poison aussi. Voilà, ok. Donc on va augmenter un coup de poison. La maîtrise des lames faées, je suis à fond, ça y est. Et ça. Et on confirme. Ah, palier 3, chasseur. Yeah. Yeah, c'est bien ça. Yep, chasseur. Il y a quoi d'autre comme palier? Rôdeur, assassin. Noir. D'accord.
Donc on va être chasseur. Je confirme. Bon, on a quand même pris plein et yol dans cette affaire, mais c'est pas grave. Bon, qu'est-ce que tu veux, toi? Beau travail. Je vois que vous n'avez pas oublié comment vous battre. Ah bah non, en mais 15 c'est jours, mauvais ça va. Signe. Je ne croyais pas que les Tuatha arriveraient si loin. En tout cas, pas si vite. Au contraire, avant que vous n'arriviez, elle était destinée à saccager tout Dalentar. En tout cas, c'est ce qu'affirmait le Nairalim. Oui, le Nairalim, il m'a l'air bien drogué. Je parie qu'il vous laissera entrer à Aïsa. Je vais régler leur compte au dernier Tuatha qui se terre par ici. Allez donc prévenir cette vieille bûche. Moi, je vais m'assurer qu'aucun autre Tuatha n'a pu s'aventurer si loin à l'ouest. D'accord. Je me barre. Je vous retrouverai le moment venu. Ouais, comme d'hab, t'es toujours là où on t'attend pas, toi. Ah, l'autre, comme il... Ah, voilà le boss. Hein. Je suis déjà passé. Ah, ok, je reviens en arrière. Oh là là, mais quel boulet aujourd'hui. Y'a pas un petit coffriné encore qui m'attendrait? Je sais pas moi, un cadeau de fin de donjon. Non, rien. Ah, j'en prie. Mais arrête de flipper, toi. Pas te casser la gueule, tu vois rien. Allez, zou. On sort. Bon, bah voilà, ça c'est fait. C'est. Oh bah super. Je peux pas lui tirer dessus. Tiens, aussi. Même pas besoin de descendre, saleté. Oh, un coffre. Je vais descendre comme un con. Dissiper. À la mettre, c'est quand même plus simple. Hein. Hop là. Ni vu ni connu, je t'embrouille avec ça. Ah non, parce qu'au clavier, ça c'était. Clavier souris, c'était juste infect ce truc. Ah, mais t'as des copines, dis-moi. C'est pas grave. Oh, il y a une championne de feu là, fait chier. Waouh! Ah la salope. Bon ça. Savage devient prestige et grudu dans le quartier quand même. Hop. Le petit talisman là. Il me plaît bien. Alors, armure. Non, c'est accessoire. Ah non. Ah, je ne sais plus où sont les talismans. Ah, c'est là. Ah ok, je crois que c'était un collier, donc non, c'est de la merde. Je préfère garder mon bouclier, même si je n'utilise pas des masses, on sait jamais. Ça peut toujours être utile. Je ne sais pas où on est. Carte. On est là. On était où? Ah, on était là. Il faut que j'aille ici. Je peux... Ah mais si, j'y avais été, refuge des vents, mais j'étais passé l'autre fois. Bon, on va peut-être y aller directement. Histoire de pas perdre trop de temps, hein, puis d'avancer. Tant pis pour les cadeaux, les quêtes annexes et tout ça, ça on verra plus tard, hein, merde. Je ramasse vite fait les plantes quand même. Ça, je vais en avoir besoin. Il y a un truc à choper dans le coin. Je suis dessus. Ah là. Oh, holy fucking shit. Hop, on rentre à Goart comme d'hab pour vendre notre fourbi. La quincaillerie, elle est ici. Bonjour. Ta gueule. Toi, tu te tais. On va démanteler tout ce qu'il y a à démanteler. Ah ouais, ça y est, je peux démanteler les trucs verts. Donc ça, c'est plutôt chouette. Oh, je démantèle tout, hein. Tant pis, j'ai du fric de toute façon. Donc, pour le moment, je préfère... Merde, j'aurais pu dégémer mes jambières. Tant pis, je viens de les bousiller. Je préfère prendre du... Des petits bazars là, des composants plutôt que stocker du blé quoi. Bon.
On retourne là. Oui. Et donc on allait en bas. Genre le chemin vite fait. Faut pas que je me fasse avoir comme l'autre fois. C'est par là ou par là? Non, je pense que c'est plus par là. Enfin, ça me paraît plus logique que ce soit. Je me souviens plus du chemin que j'ai fait l'autre fois en fait pour y aller. Tant qu'on est là, on va aller pêcher le cadeau. Ah bah c'est les. Ça c'est les. Hop, c'est les lames failles de tout à l'heure. Ah, c'est les petits moches. Le coffre est rempli. Hein. Je vais pas te checker celui-là. Ah, moi laisser des coffres. Qu'est-ce à dire? Oh, y a un temple au milieu de l'eau. Ouais, bon, on a dit qu'on se dispersait pas trop. Hein. Je sens que je suis reparti pour faire le tour en plus, comme un con. Ah merde. Mais pourquoi? Attends, tu vois, je peux y aller directement. Bah oui. Des fois, j'aime bien me compliquer la tâche. Hein, je sais pas pourquoi. Alors. Ils ont toujours avec leurs fleurs, ils ont que ça à foutre de leur journée. Ah non, le creux, l'espèce de machin en verre. Voilà. Espèce de petit pois géant. Vous voilà de retour. Bah bien sûr. Et suite à votre passage, Dalentar te resplendit. L'ordre est rétabli maintenant et à jamais. La progéniture de Gnarch est moribonde. Vous avez détruit ce qui était écrit et rédigé, un nouveau destin pour Dalentar. Même vos ennemis les plus féroces avancent d'un pas plus léger. C'est pour me dire merci, au lieu de raconter et de la merde. Hein. Les Tuatas sévissent encore, semant le brismeré et la souffrance dans leur sillage. Vous n'avez que retardé l'inévitable. Oh, genre il est pas content l'autre, eh hein? C'est toi qui as fait le taf? Non, tu me peut-être. Vous êtes tous les deux nouveaux. Vous êtes tous les deux inhabituels. Mais ne vous surestimez pas. Mais non, je sais ce que je vois, c'est tout. Sachez ceci, être de passage. Les temps changent. Les immortels se meurent. Et l'avenir appartient au jeune peuple, s'il existe bien un avenir. Tenez-vous au cœur du Cidé. Vous y trouverez Aïsa. Et peut-être y découvrirez-vous également la sagesse. D'accord. C'est où? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Uniquement le chemin de votre choix. Tenez-vous au cœur du Cidé. Et si le chemin comprend les jardins d'Aïsa, alors j'y consentirai. D'accord. Donc je sais pas ce que c'est que le Cidé, mais il va me le dire. Méditez dans le Cidé, d'accord. Et c'est où? Là-bas. Ok, donc on se casse au refuge. Et on va y aller tranquillement. Tranquillement, de Dieu. Oh bah j'avais oublié un petit sac, dis donc. Ah, un truc vert. Comment ça, j'oublie des choses maintenant, moi, c'est n'importe quoi, ça. Ah, d'ailleurs, j'ai fini la quête des antilopes, là. Faudra que j'aille en œuvre, je retournerai voir l'autre morue, tiens. C'est une des quêtes du début, parce que vous vous souvenez, où l'autre m'a demandé faire la chasse pour une espèce de chanson. Oh merde, je l'avais pas vu. Aïe. Ah bah bien. Joli ça.
Aïe! Vous pouvez me foutre la paix? Oh, c'est joli, je traverse la flotte. Ça s'est ouvert. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Allons voir. Vous savez, j'ai médité, c'était ça méditer, c'était faire ouvrir le rideau. Dis donc. C'est de l'habitation express. C'est joli. Encore des feuilles de chou là, ah, il y en a plein partout. Mais... espèce de feuilles de chou de mes deux. Bon, c'est fort joli, mais continuons. Qu'est-ce que tu veux toi? Ah, vous voilà enfin. Bienvenue dans les jardins d'Aïsa, la patrie de la cour d'été et le cœur palpitant de la Faëli. Je sais que vous espériez vous entretenir avec le haut roi, mais nos prophètes ont eu le présage d'un danger qui vous guette. Ah. Naturellement, nous ne pouvons pas compromettre la sécurité de la haute cour. Super, j'arrive, c'est la peut-être merde. Peut-être que lorsque vous aurez réglé ce problème. Ah ouais, super, mais j'ai pas la moindre idée de ce que je dois faire, donc. Nous connaissons bien la situation à l'extérieur, mais il n'est pas dans nos habitudes d'intervenir. Si le grand cycle appelle le conflit, alors il y aura de la destruction. Ouais, ok. Bah, on va aller voir ça, quoi. On va aller à Didonil et puis on va rejoindre Agarth. Je pense que bonjour. Bonjour, madame. Je pense qu'il y a que vous ça à faire. Vous ne devez pas utiliser Malville comme une déchetterie, ni comme un lieu de reproduction. Ah, j'y avais pas été à Didonil encore. Ouais. Ouais, qu'est-ce qui est le plus proche? Ça m'a l'air d'être le donjon de Brockel, c'est pas là où ils veulent tous me péter la gueule, là? Bon. Si c'est ça, ça va être sympa. Vous m'en voulez plus pour le vol? C'est bon, les gars? Ok, c'est bon. Juste eu peur, là aussi, hein, quand même. Oh putain, les antilopes. Tiens. Oh, comment ça pissoie. Le truc c'est merde là. Dans les Strom gris quoi, enfin les Strom. Les humanoïdes gris, les gars ils ont pas peur. Hop. Hop. Quand je ramasse des trucs, je ramasse même pas ce que c'est. Allez, zou. Hop. Pas grand chose à faire ici. Nous aussi à Didonil. Oula. Dernier s'il le faut. Fichu Bogart. Il m'a l'air bien lui aussi, tiens. J'ai la tête qui tourne. Par les Bogart et la peste rouge. Écoute, vous feriez mieux de partir. Sympa ici. J'arrive, il y a tout le monde qui est en train de crever. En lieu sûr. C'est pas le moment de venir ici. Pourquoi il monte la pierre là-haut? Faut que j'aille la voir. Kester Barclay saura mieux vous renseigner. Il se trouve sur la place du village. Allez donc lui demander. Enfin les gars, s'ils crachent tous leur boyau. Prenez soin de vous. Je t'ai vu petite caillasse hein. C'est juste que je sais pas. Pour le moment, je sais pas comment aller te voir. Donc tu me racontes encore une histoire passionnante. J'espère qu'ils vont bien. Dans la mission en or. Par Mitaro. Qu'est-ce que... Oh, bonjour. C'est Tadeus qui vous envoie. Kester Barclay.
Mes excuses, je ne voulais pas être discourtois. Je suis un peu à cran. Oui, c'est ça. Thaddeus ne vous a rien dit? Les Bogart en sont porteurs. Ce sont eux qui super. En général, ils restent dans leur coin. Mais il semblerait que des Jotun se soient installés dans leur tanière. Et qu'ils aient fait fuir les Bogart. Bah, on va leur péter la gueule et puis c'est tout. Soit vous êtes brave, soit vous avez perdu la tête. Un peu des deux. Mais si vous pouviez éliminer les Jotun, les Bogart finiraient... Je sais même plus ce que c'est que les Jotun. C'est pas les d'accord. Bestioles de flotte, partez non au nord, enfin, en direction de la tanière des Bogart d'Ondoyantre et nettoyez la grotte. Merde, là. Je me souviens plus, là. Faites vite. Les espèces de Shaggin, là, les hommes poissons. Bon, c'est où? C'est où que tu veux faire? Merde. La carte, j'ai dit. Ah mais c'est une quête annexe, quoi. On avait dit pas de quête annexe. Hein. Ah, mais si ça peut changer quelque chose du village. Bon, c'est au nord, donc ça doit être ça là-bas. Bon, allez, on y va. On va faire ça. Satané Bogart. On va faire ça. Tout à l'heure, de toute façon, j'ai fait déjà une... Je viens de finir une quête de scénario, là, avec la madame. On peut bien... Oula. Qu'est-ce que c'est? Putain, un barguez. Ah, mais y'en a pas qu'un en plus. Super. Waouh. Eh, on se... Cadeau. Chier. Ça va super chier. Bon, voilà. Alors, ouais, ça doit être ça là-haut, hein, je suppose. Ça me paraît, ce qui me paraît le plus logique, il m'a dit au nord, le gars Joe. Pourquoi je rame comme un veau là? Oh mais nawak quoi. Ah mais stop de ramer comme un âne là. C'est quoi ce délire? Putain. Jure c'est parce qu'il y a un con qui est venu me parler sur le PC, ça va chier quoi. Hein, c'est par là. C'est par là. Ah bah c'est que quand je suis dans ce coin là que ça rame. Oh non, mais les PC, mais je vous jure, mais n'importe quoi. Oh non, mais là, c'est bon, quoi. Ça me saoule, hein. Regarde-moi ça, mais c'est quoi le délire, là? Qu'est-ce que tu veux que j'esquive quoi que ce soit en ce merdier? Ça allait très bien, il y a deux secondes. Là, j'arrive dans un coin, ça va plus. Ah puis super, j'ai contracté ma vie. Bon, si je peux me casser de là que ça arrête de ramer deux secondes. Parce que là c'est n'importe quoi. Non mais sérieux, qu'est-ce qu'il me fait chier comme ça? Pourquoi les ours ils roulent boule là-bas? Voilà, c'est génial, je suis à 8-10 frames par seconde. Bon, je vais voir ce qui va pas et je reviens juste après, désolé.